vous m'avez fait peur. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'expliquerai. Nos amis se sont joints à nous et pourtant je les ai prévenus au dernier moment. C'est gentil, n'est-ce pas? Très gentil. Bon anniversaire, Stéphane. Bon anniversaire, Vincent. Quel farceur. J'ai toujours connu en train de faire des blagues. Oui, j'ai pensé que c'était amusant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et maintenant, la surprise. Je vous présente Julie, ma belle-fille, la fille de Stéphane. Tu nous avais caché ça. Félicitations. Elle est venue pour l'anniversaire de son papa. Bon anniversaire, mon chéri. C'est ma fille, c'est ma très grande fille. N'est-ce pas qu'elle est exquise? Ah oui. Bon, ben, viens, tu vas pas rester habillée comme ça toute la nuit, quand même. Tu fais service, comme d'habitude? Volontiers, mamie. Hein? Elle m'appelle mamie parce que je l'ai connue, elle était grande comme ça. Eh ben, réveille-toi, toi. J'espère que tu vas m'expliquer. C'est toi qui vas m'expliquer. Oh, là, hein. Comment vous êtes là? Votre secrétaire m'a pratiquement amené de force. Non, elle est très convaincante. C'est amusant, ça. Là. Oh, c'est quatre fois rien. C'est pour amuser les invités. Je m'excuse pour ma femme. C'est opération, alors elle est un petit peu... C'est plus qu'elle... Elle a l'air de ne pas trop mal se porter. Ah oui, non, mais non, parce qu'il y a du monde. Alors, ça les distrait. Je vous donne une dernière chance. Le ministre attend ma décision lundi. J'ai invité monsieur à dîner. Voilà. Et pas tant. Bon, bah, viens te changer, maintenant. Viens. Je passe une jupette et je suis à vous tout de suite. Non, pardon, un manteau. Avec cette opération, c'est plus... C'est vraiment un monde en voie de disparition. Et pourquoi elle a pas pris son train? Bah, je pensais que ça te ferait plaisir d'avoir près de toi pour ton anniversaire. Qu'est-ce qu'elle va dire, sa mère? Elle est prévenue, tout est en ordre. Ah, tout est en ordre. Avec cette conne de Madame Fleury, j'essaye d'expliquer à Rousseau que je suis au bord de la faillite et elle l'amène ici. Et toi, tu le retiens à dîner avec tes amis, auprès desquels les Rothschild ont l'air de vieux militants syndicalistes. Eh ben, t'es jamais content. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est pour Julie. Quand j'étais petite à la campagne, on cachait toujours des œufs de Pâques. J'ai Robespierre dans le living, elle cache des œufs. Mais t'es vraiment une...